Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Récif Captif où on va parler un petit peu compatibilité entre les poissons. Régulièrement, vous me contactez en me disant « Oui, Hervé, j'aimerais bien tel poisson. Est-ce que c'est compatible avec tel autre ?» Et là, je sais que vous, vous attendez une réponse « Oui, c'est nickel, il n'y a aucun souci. » Il faut bien comprendre que chaque poisson a son caractère. C'est-à-dire que dans la même espèce, deux poissons différents vont se comporter de façon différente. Je m'explique. J'ai là un flave, j'en avais un second. Déjà entre eux, de temps en temps ça faillait, mais voilà. Et j'ai un hépatus. Bon, lui, il est timide, je me suis mis à parler, il s'est caché. Voilà, on voit légèrement du bleu à l'arrière, il va venir. Ces derniers temps, on le voit de nouveau un petit peu plus. Mais régulièrement, il était caché là derrière. Je cherchais pourquoi. En fait, à chaque fois qu'il sortait, il se faisait, on va dire, micro-agresser par le plus petit des deux flaves, celui qui est arrivé en dernier. Et ça pendant des mois. C'est pour ça qu'il euh, y a le projet de changer de bac depuis un certain temps. Et un changement de bac, ça ne s'improvise pas. Et euh, malheureusement, ce qui devait arriver, arriva avant le changement de bac. Mais ce n'est pas grave, on changera quand même de bac. Ce qui se passe, c'est que donc l'hépatus, il a pris sur lui. Il a pris sur lui. Et il a commencé, on va dire, à, à se cacher, mais à grossir, à se muscler. Il allait régulièrement, euh, on va dire, se comme s'il si il, s'entraînait pour le fight. Mais c'est petit, c'est insidieux. Et le matin du 24 décembre, donc euh, formidable, le timing euh, nickel, j'ai un de mes fils qui descend et qui vient dans ma chambre m'appeler et qui me fait, papa, il y a un problème avec les poissons. Et le flav était couché là éclaté. En fait, il avait des nageoires déchirées. Je vais essayer de vous mettre des photos. Si vous êtes sensible, ne regardez pas euh, la suite de la vidéo. Vous écoutez le texte, ça vous suffira. Mais euh, je préfère, on va dire, être le plus clair possible. J'ai tout de suite mis dans un piège. Il n'a pas posé de résistance. Il n'a pas tenté de se débattre. J'ai mis des bulleurs. J'ai ensuite sorti dans un seau pour essayer d'un petit peu ramener tout ça et médicamenter. Malheureusement, les blessures étaient trop graves et il est passé l'arme à gauche. Et tout ça parce que, à force, ben, euh, à un moment, l'Hépatus en a eu marre et il l'a éclaté. Pourtant, quand on regarde la littérature, Hépatus et Flav, c'est compatible. Et cette petite histoire, elle exprime bien le fait que. La compatibilité entre espèces, on peut donner des idées générales. Mais on ne peut pas être strict et pouvoir vous dire oui, ça marchera toujours, parce qu'il y a certaines espèces où ça va marcher dans 70, 80, 90, 98% des cas. Et puis de temps en temps, il y a un clash. Et ça, et ça c'est humain. Enfin, c'est humain. Je fais un peu d'anthropomorphisme là, mais euh, c'est tout à fait naturel. C'est dans l'ordre des choses. Les comportements ne vont pas ensemble. À un moment, il y a le retour de bâton. J'avais déjà vu ce type de retour de bâton avec un labrasibande, qui est un poisson qui, dans un petit volume, voire même un gros, est très, très embêtant pour les autres poissons parce qu'il va constamment venir chercher et euh, comme il cherche toujours sur la même petite population à un moment cette population elle dit euh, c'est bon t'es venu me brouter il y a cinq minutes euh, j'ai plus de soucis quoi là euh, la moindre écaille qui n'est pas coiffée de travers euh, voilà donc à un moment t'as coup ça fight et c'est juste parce qu'on a une population limitée et une distance limitée dans la nature, si ça fight, le poisson il nage un quart d'heure, il est deux kilomètres plus loin, c'est fini. Dans nos aquariums, c'est pas possible. C'est pour ça que quand on parle de compatibilité, faites attention, c'est pas toujours le cas. Et parfois, l'incompatibilité elle n'est pas immédiate. C'est le flave qui malheureusement est parti. Était chez moi depuis au moins six ans. Je dirais même sept. Donc, ça, cette situation, elle a mis sept ans à se mettre en place. Malheureux, mais je n'étais pas assez là pour voir vraiment que ça évoluait comme ça. Je le sentais. C'est pour ça qu'il y a le, le projet de changement de bac. Je voyais qu'il y avait quelque chose et que mon volume, fallait que je fasse quelque chose. Mais je ne m'attendais pas à être surpris comme ça le matin du 24 décembre avec un mort. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que euh, j'en ai profité pour tout contrôler mon bac au niveau des paramètres. Parce que le week-end d'avant, j'avais été malade. Le week-end d'avant, j'étais chez Nilufar pour une animation. Le week-end d'avant, j'avais eu autre chose. Bref, j'avais été très, très, très occupé les week-ends d'avant et j'avais fait un peu la maintenance à minima, juste remettre de l'eau osmosée et puis c'est tout. Et ça m'a permis de me rendre compte que j'avais deux, trois soucis. J'avais de la kétomorpha qui venait réduire la performance de mon écumeur. J'ai la lampe de mon euh, réacteur à kétomorpha qui était morte. Et pour aider, parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. J'avais mon distributeur de nourriture qui s'était vidé dans le bac. Ça fait beaucoup là, non Autant dire que Noël chez moi, ça a été agité. Mais ça se rattrape. C'est comme tout. Le, le, là, euh, ce qui se rattrape pas, c'est forcément le flave qui est plus là. Mais les paramètres, ça se rattrape. Par contre, il faut être toujours équipé pour pouvoir rattraper, même au pire moment. C'est tout pour cette vidéo. Pensez à faire attention à la compatibilité et au volume par rapport à vos animaux. Mais si ça commence à fighter, séparez dès que vous voyez le, un gros fight. Là, malheureusement, ça s'est passé pendant la nuit. Je ne l'ai pas vu. Ma femme ne l'a pas vu. On a pu constater seulement le matin. Mais ça m'était déjà arrivé de mettre un poisson dans un piège ou un poisson dans la décante. Parce qu'il y avait des incompatibilités d'humeur et des fights. C'est quelque chose qui est régulier et euh, enfin régulier qui arrive et donc il faut être attentif. Ça se produit en général à l'introduction des nouveaux ou bien s'il y a un stress. Donc là, je ne sais pas quel est le stress qui a déclenché la chose. Je voyais la situation se faire puisque l'épatus, on ne le voyait plus, il était caché, il ne sortait pas parce qu'il se faisait embêter, mais pourquoi cette nuit-là et pas une autre, ça, celui qui aura l'explication, il a une belle boule de cristal parce que même sur la caméra, je n'ai pas compris. Voilà, je ne vous mets pas euh, la caméra, les images sont de qualité assez médiocre. Hein, donc euh, désolé. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez un petit peu compris que la compatibilité entre animaux quand on demande, c'est pas toujours simple de vous dire ça marchera ou ça marchera pas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de récifs captifs.